On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc présente-toi mon chien. Vas-y, montre-le. Montre-la. Non, mais elle va aller voir le monsieur. Il y a un monsieur derrière en vélo. Ouais, c'est bon ça. Mais il est où son jouet? Voilà mon chien. Mais c'est normal. Mais il est où son jouet? Attends, je vais chercher. Enfin, mon chien Poppy. Elle a 5 mois. Donc en gros, à l'âge humain, elle a 10 ans. Elle va elle est née le 30 novembre. Ça fait déjà 2 semaines qu'on l'a. Bientôt. Non, oui, 2 semaines qu'on l'a. Donc bientôt. Non, 2 semaines. Du coup, oui, on l'a depuis 2 semaines. Elle s'est assez bien habituée à nous. Elle est assez sympa. Bon, elle se sauve assez souvent chez nos voisins. Donc c'est un peu compliqué à gérer, on va dire. Mais après, elle revient assez souvent. Enfin, elle revient nous voir. Pas tout le temps, mais très souvent. En forêt, vous voyez, elle est en liberté, on a la laisse à côté, elle revient toujours nous voir. Ouais. Bon, elle est un peu folle, hein. Excusez-moi, elle est un peu folle. Du coup, elle revient. Enfin, en forêt, on va lui lancer son jouet, elle va revenir nous voir. Franchement, elle est très sympa, on l'adore. Et du coup, je vais vous montrer une petite balade avec elle en forêt. Voilà. Donc, c'est parti. Je filme. Tu vas devoir. Donc c'était ma mère qui tenait, donc je vais le prendre le téléphone pour filmer moi. Voilà, coupé. Donc on fait souvent une balade au moins 2 fois. Enfin, là comme c'est les vacances, on est en confinement du coup. C'est les vacances, donc là on est en vacances, donc il y a beaucoup moins de devoirs, donc on peut assez facilement aller la promener. On la promène une fois le matin, une demi-heure, ou des fois on fait à peu près 45 minutes. Et l'après-midi on fait plus une heure, comme ça, ça la promène bien, ça la défoule, et elle est contente. Donc voilà, on fait à peu près ça. Bon, après... Donc du coup j'ai coupé un petit peu au montage parce que on a... Allez, va jouer. Voilà, il s'est passé un truc. Elle a voulu se barrer, en clair. Voilà, elle s'est barrée un peu dans la forêt. Bon, après elle est revenue, mais voilà. Donc là, on continue un petit peu la balade. On fait toujours la même balade, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de boucle. On se gare, ça dépend des fois, on se gare vers une autre entrée, donc vers la sortie de là où on passe. Regardez-moi, c'est... Voilà. Poppy! On voit rien. Je vous remontrerai un peu plus loin. Poppy, non! On va pas la couper! Allez, viens! Doucement. On fait quoi? Ouais. Non, je préfère pas. Du coup, on va faire un autre chemin. Donc elle connaît pas encore, donc vous allez voir, vous allez voir une petite découverte de Poppy, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter toutes les 2 minutes, voilà. Ensuite elle va revenir, mais elle va s'arrêter assez souvent. Vous voyez, elle est pas sereine, quoi. Elle s'éloignera pas, enfin comme elle fait normalement d'habitude, enfin sur l'autre chemin, donc voilà. Après, elle ose quand même. Merci. Elle ose quand même assez s'éloigner, mais sans plus, quoi. Voilà. C'est bien d'aller là-bas parce que... Poppy! Parce que là-bas, c'est plus... Non, c'est pas ça, c'est que je suis sûre que... Là-bas, il va y avoir des trucs... Oh là! Poppy! Donc, on est bien sur la chaîne Donuts. Le monde de Lucie et Donuts. Donc, très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je pense que ça vous intéressera pas énormément. Mais hier, Donuts, on l'a retrouvé, mort dans sa cage. Voilà. Donc, c'est pas du tout de ma faute. Je pense grandement qu'il est mort de vieillesse. Donc, on est vraiment déçus, ça c'est sûr. Mais, on est vraiment déçus. Mais là, aujourd'hui, ça nous est passé. On n'est plus trop dans ça. On n'y pense plus trop du tout. Enfin, on pense à autre chose. On vit notre vie sans lui, oui. Certes, mais c'est pas une mort d'un hamster qui va arrêter. On va pas arrêter de vivre pour un hamster. Donc après, on est très triste. On était très triste hier, mais aujourd'hui, on sait qu'il est plus avec nous. Mais on s'en fiche pas. Mais voilà, on n'y pense plus trop, quoi. Et j'ai fait une petite chanson, en son honneur. Et regardez, là, je pense que vous allez voir. Non, mais là, je suis en train de filmer. Mais mon frère vous montrera un truc, je sais vrai. Donc, je lui ai fait une petite chanson en son honneur. J'aime pas trop la chanter, j'aime pas trop chanter. Donc, je chanterai pas sur vous, mais je vous les mettrai peut-être en description, la chanson, du coup. Les paroles que j'ai un peu inventées, parce que je les dis pas trop sur quelque chose ou tout. Mais je l'ai inventé, donc je vous la mettrai peut-être en description. Les paroles, c'est pas une longue chanson, c'est vite fait, quoi. Et voilà, tout simplement.
nous, le confinement se passe très très bien. Tout se passe extrêmement bien. On commence à en avoir clairement marre, ça c'est inévitable, enfin c'est normal. On en a marre, ça c'est sûr. On en a marre d'être en confinement, de voir faire les devoirs tout seul ou avec nos parents, mais c'est pas la même chose quoi. Donc ça nous embête. Après, vous voyez, elle se sauve un peu, mais elle revient toujours, vous voyez. Allô? Oui, regardez là. Elle reviendra toujours. Poupée. Donc voilà, elle est très gentille en balade. Elle se sauve pas loin en réalité. Donc on est bien content de la voir. J'en suis extrêmement fière depuis le temps que je voulais un chien. Bah là, je l'ai. Du coup, ma chaîne va être renommée Le Monde de Lucie et Poppy. Poppy, P-O-P-P-Y. Comment on l'appelait du coup? Elle a 5 mois. Le nez le 30 novembre. Un amour, une têtue, une grande têtue et une très 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 active. Elle est active de ouf. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, elle va prendre sa balle, elle va courir comme une malade dans ton jardin mais pendant 3 heures. Et toi tu vas être, enfin peut-être pas 3 heures mais au moins 1 heure. Et toi au bout d'une heure t'en peux plus quoi. T'as envie d'arrêter. Elle pourra pas s'arrêter, elle va vouloir encore jouer et tout. Donc franchement c'est une grande active. Et elle est très gentille, une gentille, active et j'avais dit. Et je trouve plus le mot. Et oh non, j'avais dit quoi? Oh là là. Alors attendez, une active. Ah têtue, elle est têtue, active et gentille. Elle met de la joie dans nos cœurs. Bon après, elle est assez fugueuse quand même. Je tiens à le dire, elle est quand même assez fugueuse. Elle aime bien se sauver, aller sentir des odeurs. Elle aime beaucoup les gens aussi. Donc elle est très mignonne. Mais elle est très fugueuse. Voilà. Et tu vas trop vite, Poppy. Tu vas trop vite, ma Poppy. C'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas, il y a eu un bruit. Non. Elle a... Elle a entendu du bruit. Elle a entendu du bruit. Allez, viens. C'est rien. Excusez-moi pour mes doigts. Allez, viens. Voilà. Elle est toute gentille, cette Poppy. Donc c'est ma maman qui a choisi le nom. Après, on a tout de suite accepté. C'est très mignon comme nom. Puis ça lui va très bien. Franchement, ça lui va très bien. Princesse Poppy. Si vous connaissez les trolls. Ce matin, on a regardé les trolls. Et ils ont dit Poppy, du coup, dans les trolls. Et elle a tout de suite réagi. Elle réagit énormément à son nom. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, elle le regarde direct. Elle lui vient vers lui. Donc elle est très... Enfin, elle sent énormément les odeurs. Vous voyez, là elle a réagi parce qu'on l'a appelée. Poppy! Vous voyez, regardez. Regardez, elle cherche là où on l'appelle. Elle est vraiment trop mignonne. On l'adore, tout le monde l'adore. Et après, elle dort très bien, elle fait toutes ses nuits. La première fois qu'on l'avait, elle a directement fait ses nuits. Elle pleure absolument pas, elle est très gentille. Elle pleure pas, vas-y Lola. Oui, vous avez pas très bien vu. Mais c'était plutôt pas mal, cette fois-là, au moins. Bah, regardez. Là, il y en a une autre. Je vais zoomer. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez. C'est un dragon. Voilà, c'est magnifique, je trouve ça magnifique. Ouais, poupée. Magnifique, mais c'est long. Regarde, regarde. Ça va se faire peur, il y a le... Je montre pas ici. Non, mais j'ai vu. C'est pas comme ça. Voilà. Vous n'avez pas très bien vu, mais ça ira très bien. Ça passera. De toute façon, vous essayez, vous prenez un briquet, vous cramez une... comment ça s'appelle? Un pissenlit, sauf qu'il a... Non, c'est pas un pissenlit, c'est un... Si, c'est les graines du pissenlit. En fait, c'est les trucs blancs quand vous prenez. Ah bon. Enfin bon. Ça fait des trucs jaunes, là. Ça fait ça, en fait. Ok. Je savais pas, on apprend tous les jours, comme on peut dire. Je pensais que je savais plus le nom en fait. Je pensais pas que ça s'appelait un pissenlit. C'est pour ça que je savais pas le nom. Poppy, non, non, Poppy. Non, très bien. Elle écoute assez facilement. Poppy. Par contre, elle adore tout prendre. Hein. Elle prend tout ce qu'elle trouve. Donc, du coup, c'est un collègue de mon papa qui nous l'a donné parce que, en fait, il n'arrive pas à se débarrasser du coup à cause du confinement. Puis, comme elle commençait à avoir déjà 5 mois.
c'était pas possible quoi. Après 5 mois, un chien de 5 mois déjà, c'est un peu compliqué quoi. Il voulait pas s'en débarrasser genre. Non, il arrivait pas à vomir. Non, mais voilà quoi, c'est un peu normal. En fait, c'est comme un vendeur en fait. Sauf qu'il a adopté. C'est un peu normal, je l'accepte. Il veut faire de l'argent. Puis, comme avec ma maman, on arrêtait pas de chercher sur. Sur comment ça s'appelle ? Le bon coin. Le bon coin, un chien. Mon papa avait peur de pas pouvoir décider comment il voulait un chien, quoi. Enfin, quel chien il voulait, par exemple. Elle, par exemple. Alors, par contre, quand on l'a vu sur le bon coin, on pense. Enfin, sur le bon coin. Oui, il l'avait mis sur le bon coin, oui, je dis. Quand on a vu ce chien sur le bon coin en photo, du coup, parce qu'il l'avait mis sur le bon coin, on a trouvé cette annonce. Et après, mon père a vu que c'était. À son collègue, et en fait, quand il nous a montré une photo, on pensait qu'elle était toute calme et tout, qu'elle bougeait pas. Mais alors, mais c'est une folle dingue, hein. C'est une folle dingue, hein. Lolo, cours qu'on leur montre. Cours un coup. Là, elle veut plus trop courir, mais. Elle est pas speed ici parce qu'elle. Ouais, voilà, elle est pas très speed, voilà. Là, elle est un peu plus speed, mais elle est pas très speed parce qu'elle a, bah, elle connaît pas, c'est la première fois qu'elle y allait. Souvent, on allait là-bas. Et du coup, elle, c'est la première fois qu'elle y allait. C'est la première fois qu'elle y va là, donc elle a pas l'habitude. Donc, c'est un peu normal qu'elle soit pas aussi active que d'habitude. Voilà, beau chemin. Pour en aller au fort, aussi. C'est bien. Ses intestins. Hein? Pas des. Ses intestins. Tu vas pas bien, hein, Lolo. Hein? Papi! Ouais, je passais par ici, les gens. Non. Là, tu après, tu passes là, et après, t'as les commandes. Papi! Non, Lolo, laisse-la un peu. Papi! Elle entend une bête. Bon, bah là, après, c'est la première fois qu'elle y va, donc. Vas-y, Lolo! Tu veux? Ouais! Bah, après, tu viens avec moi? Non. De vrai, ça va être trop bien. Non, mais non. Allez, viens! Je sais pas ce qu'elle a vu là-bas. Non, maman! Papi! Attendez, je m'en pose, je vais...